Yo à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer, repasser en 1.12 sans Minecraft, ceux qui veulent. Déjà là vous voyez, je suis en 1.13. Donc vous allez fermer la page. Vous allez sur Internet. C'est très simple, hein, vous inquiétez pas. C'est que pour les Android. Aptoïde. Marquez Aptoïde. Vous allez sur la première page. Vous allez sur installer Aptoïde, c'est gratuit. Vous allez devoir faire comme ce qu'ils vous disent. Moi c'est déjà fait, mince. Voilà, vous allez recevoir une petite notif. Ce fichier peut endommager votre appareil, vous inquiétez pas, ça vous fera rien. Faites confiance. Excusez-moi. Hop. Ça s'installe très vite. Donc, on va attendre. C'est bientôt fini. Voilà. On va normalement tomber sur une page. Donc, vous allez ouvrir le document. Voilà. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. À des fins. Donc ouais, vous allez sur Chrome, bah vous acceptez ce qu'ils disent et vous allez activer. Voilà. Vous allez faire installer. Vous inquiétez pas, ça prend pas beaucoup de place et vous n'êtes pas obligé de garder Aptoïde dans votre appareil. Il me semble que si vous payez Minecraft, vous pouvez l'ouvrir direct. Mais si vous n'avez pas payé Minecraft, il faudra ouvrir avec Blunt Launcher. Et tout bloc, c'est parce que c'est pas très bien. C'est pas bien, c'est un cheat. Donc, quand il est installé, vous allez dessus. Vous faites passer, on s'en fiche. Vous écrivez Minecraft. En même temps, ça c'est bien parce que c'est pour vous empêcher de payer Minecraft, tout ce qui est payant en fait, tout ce qui est jeu payant. Vous pouvez craquer tout, plein de jeux payants. Donc vous voyez, on peut passer même là pour le 14, mais on va aller sur autre version ici. Ça veut bien. Donc on va prendre l'1.12.1. Voilà, .1. 1.12.1.1, c'est la même version, ça fonctionnera quand même. Vous faites rétrograder, ça vous désinstalle Minecraft. Voilà. Bon, voulez-vous désinstaller cette appli? Oui, je suis obligé. Ça vous envoie ici. Alors moi c'est rapide parce que je l'ai déjà fait. Donc vous faites paramètres. Vous faites autoriser, vous vous retournez en arrière et vous faites installer. Bon là je vais faire une ellipse parce que ça risque d'être plus long. Du coup ça prend 2-3 minutes, vous faites OK. Vous allez sur votre page Minecraft. Désolé si vous entendez les bruits derrière. Parce que je sais que le micro il entend plein de trucs derrière. Du coup vous allez sur Minecraft et je vais vous montrer que c'est la bonne version. Je vais montrer avec quoi on peut ouvrir Minecraft si vous n'avez pas payé. Si vous l'avez payé, vous pouvez ouvrir normalement dans Minecraft. Et si vous l'avez pas payé, ils vont vous demander une licence. Du coup il faudra ouvrir avec un autre site. Bah ce sera comme je vous ai dit, Block Launcher. Bon, je vais me connecter plus tard. Et voilà, 1.12.1.
1.1. Donc on va faire une ellipse. Je vous retrouve pour montrer sur quoi vous pouvez vous connecter pour ceux qui n'ont pas payé Minecraft. Donc pour cette API, il va falloir aller sur Block Launcher et sur Play Store, et vous allez écrire Block Launcher. Alors il y a le pro payant et normalement, attendez, je voudrais regarder Block Launcher. Normalement il y a le pro et le normal. Ah bah non, il n'y en a qu'un. J'ai cru, vous voyez. Vous faites installer. Je vous retrouve dès que c'est installé. Donc, il s'est installé. Vous allez dessus. Et ça se passe comme ça. Block Launcher. Et voilà, vous aurez plus qu'à vous connecter à votre compte tout simplement et aller sur les serveurs. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez, partagez, commentez et partagez aussi, pardon, je l'ai déjà dit. C'est pour comme ça, d'autres personnes pourront le faire. Bye.